فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, le Coran a été une parole, est une parole d'Allah Azza wa Jal qui a une particularité exceptionnelle au niveau de sa rhétorique et au niveau de l'arabe avec lequel il fut descendu. Allah Azza wa Jal a défié les arabes de l'époque concernant justement le caractère rhétorique de ce Coran. Autrement dit, il leur a dit ces mêmes paroles, les mêmes paroles que vous utilisez dans vos paroles, dans votre discussion, dans votre conversation, les mêmes lettres que vous utilisez dans vos discours, c'est avec ces mêmes lettres que ce Coran a été descendu. Et malgré cela, vous ne pouvez pas ramener ou forger une parole qui ressemble à celle d'Allah Azza wa Jal. De là, le Coran a été un défi pour les Arabes de l'époque. Mais ceci dit, il ne faut pas comprendre que tous les Arabes de l'époque, y compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenaient tout le Coran, toutes les paroles du Coran, tous les passages coraniques, tous les messages du Coran. Il y avait une grande partie qui était compréhensive par tout le monde, et il y avait parfois certains passages ou certains termes qui n'étaient pas compris par ses compagnons ou même par les mécréants de l'époque, malgré bien entendu leur connaissance approfondie de la langue arabe. Et c'est pour cela que nous avions vu quelques compagnons venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le questionner sur certains passages coraniques ou parfois même se tromper dans la compréhension de certains passages. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expliqué et a élucidé la signification de certains passages ou bien de certains mots. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier exégète de la parole de Allah Azza wa Jal. Et les savants ont posé une grande question en disant: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exégèse de tout le Coran ou uniquement d'une partie du livre divin? Et là, il y a les savants ont divergé, et une partie des savants ont dit que, ou bien a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout le Coran, et à la tête de ces savants-là, il y a l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et une autre partie de savants qui ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a expliqué qu'une partie minime du Coran, et à la tête de ce groupe-là, on trouve l'imam As-Suyuti rahimahullah, et chacun bien entendu a avancé un faisceau de preuves et d'arguments pour soutenir son avis. Et c'est ce que nous allons essayer de détailler et d'expliquer dans ce qui reste de ce prêche. Alors concernant la première école qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exégèse de tous les Corans et de tout le Coran et de tous les détails relatifs aux versets coraniques, ils avancent quelques arguments. Le premier argument, ils disent, Allah Azza wa Jal dans surat Nahl dit, et nous avons descendu vers toi le rappel, ça veut dire le Coran, nous avons descendu vers toi le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc en lisant ce verset-là, on comprend que le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'expliquer les termes du Coran. Donc ça, c'est une preuve pour cette école-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout le Coran. Le deuxième argument, c'est un récit rapporté par Abdurrahman As-Sulami, qui est un tabi'i, qui a dit: ceux qui nous ont appris le Coran, tels que Uthman ibn Affan et ibn Mas'ud et d'autres compagnons, radiyallahu anhum, nous ont tous dit que lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils ne les dépassaient pas à 10 autres que lorsqu'ils comprennent la signification de ces versets, qu'ils œuvrent dans le sens, ou bien qu'ils œuvrent conformément au sens de ce verset. Donc selon ce récit-là, Ibn Taymiyyah et ceux qui ont opté pour son avis disent que donc on voit bien que les compagnons ne dépassaient une dizaine de versets que lorsqu'ils les comprennent bien comme il le faut. Et auprès de qui ils vont le comprendre? Donc forcément auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était encore vivant
à cette époque-là. Et d'autant plus, il se base aussi sur un autre hadith rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, dans lequel il dit que Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a passé 8 ans avant d'apprendre Sourate al-Baqarah. Il lui a fallu 8 ans pour apprendre Sourate al-Baqarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre les versets, verset par verset. Et c'est pour cela qu'il a pris 8 ans pour comprendre verset par verset afin de terminer la mémorisation de cette sourate. Pour eux, donc, c'est une preuve que les compagnons, en même temps qu'ils apprenaient, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exégèse de chaque verset et de chaque terme, voire de chaque terme. Troisième preuve, c'est qu'ils disent que d'habitude, lorsque des gens étudient un livre, il faut qu'ils comprennent ses significations. Et raison de plus, lorsqu'il s'agit du livre qui va leur montrer comment vivre ici-bas, et ce qui les attend dans l'au-delà, le livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc il est inconcevable, selon ces savants-là, que le Coran ait été révélé et que les compagnons n'aient pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explication de tout ce qu'ils n'ont pas compris dedans. Et la quatrième preuve, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ainsi que Ibn Majah, qui rapporte que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, une fois dans un prêche, leur a dit: sachez que parmi les derniers versets qui sont descendus dans le Coran, le verset relatif à riba, à l'usure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant de l'expliquer, avant d'expliquer ce décret-là et avant d'expliquer ce verset-là. Donc ces savants disent que si Omar ibn Khattab a dit cela, ça sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait les versets coraniques au fur et à mesure de leur descente. Et concernant le verset de riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu le temps de l'expliquer dans le détail, et c'est pour cela qu'il y avait certaines zones d'ombre dans l'esprit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici les quatre preuves que cette école a avancées pour soutenir leur avis. Concernant donc la deuxième école, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'exégèse de tout le Coran, il n'a pas explicité tous les termes coranique. Ils disent d'abord, pour la première preuve qu'a avancé la première école, le verset de Sourate An-Nahl, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: nous avons descendu sur toi le rappel afin d'exposer la signification du livre, ou ce qui a été révélé à ces gens-là. Les savants de cette école-là, ils disent non, le bayan ici, expliciter et exposer le sens, veut dire exposer, expliquer le sens général de ce qui n'a pas été compris par les gens. Tu ne vas pas expliquer quelque chose qui est évident dans l'esprit des gens. Donc on ne peut pas donc non plus prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué. Il n'a expliqué que ce qui n'a pas été compris par les compagnons. Donc on ne peut pas prétendre qu'il a tout expliqué. Quant à la preuve dans laquelle qui a été avancée par le premier dhab, qui disait que les compagnons apprenaient 10 versets, il fallait qu'ils les comprennent et œuvraient dans leur sens avant de passer à une autre dizaine de versets, il dit ça ne prouve pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait aux compagnons 10 versets par 10 versets. Sinon on l'aurait su et il y aurait eu énormément de hadiths qui seraient allés dans ce sens-là. Et l'autre preuve qui dit que Omar ibn Khattab a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant d'expliquer le verset relatif à riba, à l'usure. Les savants ils disent non, c'est pas cela. On trouve certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'usure, il a expliqué tout ce qui concerne l'usure. Mais ce que voulait dire Omar ibn Khattab, c'est qu'il y a certaines transactions financières qui existaient à l'époque des compagnons et à propos desquelles ils ne savaient pas est-ce qu'ils étaient autorisés ou pas autorisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort avant de trancher là-dessus. Comme ce verset-là, ou bien ce décret-là, était parmi les derniers décrets qui ont été révélés. Donc, l'occasion n'est pas venue pour que quelqu'un parmi les compagnons pose la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant certains échanges financiers, transactions financières, pour savoir est-ce que c'est halal ou haram. Et d'autant plus que Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de cette exposé? Il a dit, donc, délaisse ce qui est douteux pour ce sur quoi tu as la certitude. Autrement dit, lorsque vous avez le doute, considérez cela comme du riba, considérez cela comme du haram. Et c'est pour cela qu'il leur a dit fada'u riba wa riba, délaissez riba ainsi que riba. Riba, ça veut dire le doute. Délaissez le doute, considérez que les choses douteuses sont haram. Et d'autant plus que nos savants disent retarder l'explication
alors qu'il y a besoin de comprendre, ne peut pas être l'apanage d'un prophète. Un prophète ne peut pas retarder l'explication d'une chose et décéder avant d'expliquer certaines choses à sa communauté. Allah Azza wa Jalla lui donnera assez de vie jusqu'à ce qu'il explicite tout. Donc si le prophète, lorsque le prophète est mort, c'est qu'il a donné l'explication de toutes choses. Et Omar ibn Khattab a donc compris, lorsqu'il a dit donc les choses douteuses et sont haram, sont considérées comme riba, ça veut dire qu'Omar ibn Khattab avait assez d'éléments de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour considérer ces choses-là comme riba. Et comme s'il leur disait, n'attendez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous attendez de moi un hadith explicite sur une transaction bien précise, ben on n'a pas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort avant d'expliciter tout. Mais de ce que j'ai eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris de la religion musulmane, délaisser les choses qui sont douteuses et considérez-les comme riba. Et surtout, ce qui concerne ce qu'on appelle riba al-fadl. Amma riba al-nasi'a, c'est quelque chose qui est explicite. Riba al-fadl, il y avait certaines transactions comme le fait d'échanger par exemple l'or avec de l'argent ou d'échanger certains produits alimentaires avec d'autres produits alimentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'on ne peut pas échanger l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, le blé avec le blé, l'orge avec l'orge, le sel avec le sel, les dates avec les dates. Il a cité ces six choses. On ne peut pas les échanger sauf si la quantité est la même ou le volume est le même et que ça se passe dans la même assise. Donc, mais le prophète n'a pas explicité est-ce que toutes les autres nourritures sont interdites d'échanger de cette manière ou seulement ces quatre nourritures qu'il a citées. Donc c'est ça ce qu'il n'a pas explicité. Et c'est là où les savants d'ailleurs ont divergé, où certains ils ont dit c'est permis, d'autres ils ont dit c'est pas permis, on aura peut-être l'occasion une autre fois d'expliquer cela. Mais en tout état de cause, les adeptes de ce madhhab disent que ceci n'est pas une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout le Coran. Et ils avancent une autre preuve qui est encore plus claire. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'on appelle Turjuman al-Qur'an, le bon traducteur du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil. Seigneur, donne la compréhension de la religion à Abdullah ibn Abbas et apprends-lui l'explication du Coran, l'exégèse du Coran. C'est ça ce qu'on appelle at-ta'wil. Donc ils ont dit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exégèse de tout le Coran, de tous les versets coraniques, il n'aurait pas fait cette invocation pour Ibn Abbas, puisque l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura été à la portée de tous les compagnons. Et dans ce cas, il n'allait pas faire une invocation pour que Abdullah ibn Abbas soit privilégié par rapport aux autres compagnons dans ce domaine. Donc s'il a fait cette invocation pour Ibn Abbas, c'est pour dire, Seigneur, accorde à Ibn Abbas un privilège que n'auront pas les autres compagnons, qui est celui de comprendre le maximum du Coran. Pas tout le Coran, mais le maximum du Coran. Et cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué tout le Coran. Il se base aussi sur un autre hadith rapporté par Al-Bazzar, sur Aïcha radiallahu anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a expliqué que quelques versets que Jibril lui a appris. Mais ce hadith-là, il est faible, donc on ne peut pas l'utiliser comme argument tangible dans ce duel, ou bien dans cet échange entre les deux écoles qui ont divergé à ce propos. Nous avons exposé les arguments des deux écoles concernant la question relative à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme exégèse du Coran. Il y a des savants qui ont pris une position intermédiaire et qui ont essayé de concilier les preuves des uns et des autres et qui ont dit Abdullah ibn Abbas, on rapporte sur lui que le Coran se divise en quatre catégories. Il y a des versets ou des mots qui sont connus par les Arabes de l'époque. Et il y a des versets et des passages que nul être humain n'est censé ne pas comprendre. Et ni qui sont à la portée de n'importe quel être humain. Comme le fait lorsque l'Allah Azza wa Jalla dit « Lam yalid wa lam yulad » « Dieu n'a pas engendré et il n'a pas été engendré ». Ce passage-là, n'importe quel être humain qui va le lire ou lire sa traduction, il va comprendre ce que cela veut dire. Donc personne n'est excusé d'ignorer certains versets. Et il y a certains versets qui ne peuvent être compris que par les savants. Et il y a des versets qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu expliciter aux gens et ils gardent seuls leur signification. Donc dans ces quatre catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a expliqué? Quelle est l'exégèse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'exégèse de ce qui est explicite dans l'esprit des Arabes de l'époque. Il n'y avait pas besoin. Tu n'expliques pas quelque chose qui est déjà comprise.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué les choses qui sont évidentes et qui sont à la portée de tout le monde à travers les époques, même à notre portée. Il y a certaines choses que les compagnons comprenaient qu'on ne comprend pas à notre époque, parce qu'on est faible au niveau de la langue arabe. Mais il y a certaines choses qui sont à la portée de n'importe quelle génération. Donc le prophète, ce qu'il a expliqué, c'est certaines choses qui ne sont à la portée que des savants. Mais pas tout. Certaines choses qui sont à la portée des savants. Et il a expliqué certaines choses qui ont un rapport avec l'invisible, avec le ghaib. Il a expliqué par exemple l'adab al-qabr, le châtiment dans la tombe. Le Coran l'a signalé d'une manière indirecte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué d'une manière directe et d'autres choses. Et il y a certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliquées. Et c'est là où on peut se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué tout le Coran? Et pourquoi on a besoin d'avoir plusieurs exégètes, plusieurs exégèses? Et cela continue. Il y a une hikmah derrière cela. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que ce Coran soit un défi à l'être humain dans toutes les générations, à travers les générations, les êtres humains de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les êtres humains qui vont venir après, les générations futures. Donc Allah azza wa jalla, il y a certaines choses qui n'étaient pas à la portée de l'esprit, même des compagnons, parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances, parfois scientifiques, pour comprendre certaines choses qui sont relatives à la création. Comme par exemple l'embryogenèse. Il y a des versets qui parlent de l'embryogenèse, et avec des termes que les compagnons comprenaient, mais ils ne comprenaient pas leur sens. Al-Mudra, Al-Alaqa, lorsque je parle de la tectonique des plaques dans le Coran, lorsqu'il parle de l'astronomie, et ainsi de suite. Donc il y a certains mots qui ne sont pas très explicites dans l'esprit des compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas pour autant expliqués. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jalla a voulu que l'être humain arrive avec le développement de ses connaissances et de sa science, arrive à déterminer certains, à découvrir certaines choses, et de découvrir par la suite que le Coran a fait on a fait allusion avec certains termes qui peut-être n'ont pas été bien compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'embryogenèse, maintenant que nous avons des éléments scientifiques qui nous montrent le détail ou les détails de l'embryogenèse, on comprend mieux les passages coraniques qui parlent des différents stades de l'embryogenèse que les compagnons eux-mêmes. Les compagnons se sont arrêtés au sens des mots, sans comprendre le fond et l'explication matérielle des mots. Maintenant, nous, avec les images qu'on a et ainsi de suite, on comprend d'une manière plus explicite les mots et on voit justement qu'Allah Azza wa Jal a décrit certains stades avec une précision extraordinaire. Et ceci concerne plusieurs choses relatives à l'existence. Pour que le Coran reste un livre qui donne toujours et qui expose toujours son caractère miraculeux, et afin que les gens s'attachent justement à la religion. Et certaines choses, si Allah Azza wa Jalla les a expliquées dès le départ, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliquées dès le départ, même parmi les compagnons, il y aurait certains qui vont douter. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, ou que le Coran aurait dit d'une manière explicite, la terre est sphérique, elle est ronde. C'était inconcevable à l'époque. On aurait dit ça aux compagnons, beaucoup vont croire. Il dit, le prophète l'a dit, donc on y croit. Mais d'autres, et surtout parmi les mouchriquins, ils vont dire, mais il dit n'importe quoi. Et ils vont l'accuser. Et regardez, même les politistes de l'époque n'ont pas critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fond de certains passages coraniques. Parce qu'Allah azza wa jalla n'a pas voulu créer justement un doute dans le cœur de ceux qui avaient un cœur qui penche vers Allah azza wa jalla. Et donc il a fait certaines tournures dans certaines phrases, d'une certaine manière, de sorte que les musulmans de l'époque n'aient pas de doute, ils vont comprendre le sens général, et que les musulmans qui vont venir plus tard, ou les êtres humains qui vont venir plus tard, vont comprendre le sens exact de ces termes-là. Et justement, on ne doit pas utiliser une chose que lorsqu'on l'a bien comprise. L'électricité, on allume, on l'éteint, mais ce n'est pas pour autant qu'on connaît tous les détails des électrons, des neutrons, des photons qui sont dans l'électricité, comment elle est faite, la phase, le neutre, ainsi. On ne connaît pas ces détails-là, c'est les spécialistes qui les connaissent. Mais l'utilisation, on l'utilise. Donc le Coran était utilisable, suffisant pour les musulmans de l'époque, mais il n'a pas dévoilé tous ses secrets. Il continue de le dévoiler au fur et à mesure. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre ne lui a pas été donné pour qu'il explique tout le Coran. Il élucidait seulement une partie et il laissait les musulmans qui allaient venir dans l'avenir et les non-musulmans d'ailleurs d'utiliser leur réflexion, d'utiliser le résultat de leur découverte, de leur savoir afin de comprendre encore mieux le Coran. Et voilà pourquoi
le Coran continue de dévoiler ses secrets. Voilà pourquoi on a encore besoin, bien entendu, de l'exégèse du Coran à chaque époque, mais une exégèse, comme on a autrefois dit, qui respecte certaines conditions qu'on va détailler au fur et à mesure des prêches qui vont venir, Inch'Allah.